Le 26 août dernier, Juliette Martin, la fille de Jacques Martin, a épousé son bien-aimé dans l'église Saint-Jean-Baptiste d'Arcangues en région Nouvelle-Aquitaine. Un événement où certains de ses frères et sœurs auraient brillé par leur absence. En 2007, Jacques Martin rendait son dernier souffle à Biarritz après une bataille acharnée contre un cancer généralisé. Un drame qui a plongé ses 8 enfants dans un profond désarroi, à la toute fin, ils ne voulaient plus voir personne. Comme un animal blessé, il s'est terré dans un coin et s'est caché de tous, a confié sa fille Élise en 2022 dans les colonnes de Gala. Un moment particulièrement éprouvant qui a eu un impact direct sur les relations qu'elle entretient avec les autres membres de sa famille. J'ai toujours beaucoup souffert de son absence et, très sincèrement, je dirais que ce qui nous unit le plus, nous, ces 8 enfants, c'est l'absence de notre père, a-t-elle ajouté. Une confidence bouleversante qui laisserait penser que son entente avec ses frères et sœurs est, depuis le jour du drame, au beau fixe. Néanmoins, un récent événement pourrait laisser penser le contraire. Explication. Juliette Martin mariée en l'absence des autres enfants du présentateur. Juliette Martin, l'un des derniers enfants de Jacques Martin, fruit de la relation entre le présentateur et Céline Boisson, a vécu récemment l'un des plus beaux jours de sa vie. Le 26 août dernier, la jeune femme âgée de 29 ans s'est mariée dans l'église Saint-Jean-Baptiste d'Arcangues, située en région Nouvelle-Aquitaine. D'après les informations de Sud-Ouest, Juliette Martin était particulièrement bien entourée pour célébrer l'événement. Étaient notamment présents sa mère, son frère Clovis, son demi-frère et sœur Harry et Amy, sa marraine Leila et ses beaux-parents. Néanmoins, aucun des autres enfants de Jacques Martin n'a été cité par nos confrères. Leur bonne entente retrouvée citée en 2022 par Élise Martin serait-elle une histoire ancienne ?